Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasaste mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami, eres perfecta. Mujer. Tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble du coup la nouvelle map qui est disponible sur le mod up, donc voilà la map New Woodshire, donc en fait c'est une map que j'ai parlé dans mes news avant que FS19 sorte, j'ai dit du coup qu'elle sortirait euh, milieu FS19, donc voilà euh, 5-6 mois après elle sort, donc franchement c'est vraiment une très très bonne map que euh, j'ai pu observer un peu. Chez d'autres youtubeurs, donc les gars, avant que ça commence, désolé, je suis encore un peu malade avec les allergies, le panne, etc. C'est assez compliqué de gérer avec ça en vidéo. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, vous plaira quand même. Et on est parti, donc les gars, voilà, la map sera euh, disponible sur mon site, et mon site, du coup, le lien vous ramènera sur le mode up. Donc cette map est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Mac. Donc voilà, elle est disponible sur, sur toutes les plateformes, donc moi, je peux dire, pour les joueurs console, déjà, si vous kiffez le stream, ce que vous faites, les gars, vous jouez sur celle-là, puis après, bien sûr, vous... Voilà, en attendant, bien sûr, c'est l'une des premières maps sur PS4 et Xbox One sur fs 19 qui est quand même bien. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu des masses et surtout pas forcément des belles. Du coup, voilà. Euh, je crois si tout est bon, les gars, ok, c'est bon. Donc les gars, voilà le PDA, comment il est le PDA, les gars. Voilà comment est le PDA, donc c'est vrai que ça change un peu. On n'a pas forcément des champs de toutes les formes, de toutes les tailles. C'est à peu près les mêmes hectares ou autres, hein. c'est que les champs sont carrés ou rectangulaires, il n'y a aucun champ vallonné. Il y aurait pu... on, va, on va observer ça les gars, on va observer ça, vous inquiétez pas, mais franchement c'est une très très bonne map déjà pour, euh, pour le début, c'est quand même une... très très bien, voilà, donc juste regardez les gars, juste avant il y a les points importants qu'il y a, donc ça se passe, il y a le ranch qui a été rajouté, euh, la grange, d'accord, négociation en bétail, d'accord, euh, station de show, D'accord, j'aimerais bien les voir les gars, donc, on peut apercevoir dans cette map, il y a beaucoup beaucoup de, de forêts. Donc en fait, il y aura beaucoup aussi de chemins. Parce que bien sûr la forêt sera fonctionnelle. Donc de une vous pourrez couper les arbres. Et de deux, simplement on pourra passer dedans, ça fera comme des chemins. Voilà. Donc voilà. Hum... D'accord, ok. Donc les gars, on va regarder ça tout simplement. Donc là, on se situe où? Ouais, on se situe là. Donc en fait, il y a la ferme des cochons. Euh, non, il y a la ferme des vaches et des moutons. Et des cochons. Et attendez. Et... 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 Hmm, c'est quoi là Là, c'est doit être les... les moutons là. Attendez, donc les gars, on va regarder ça de plus près. Euh, je ne peux pas dire de conneries non plus. Ah d ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, c'est les vaches et les cochons et là, bas c'est les moutons et le chevaux D'accord. Donc en fait, il y a deux euh, les deux types d'animaux par site en fait. Et après, euh, il y aura deux autres sites avec les deux euh, types d'animaux qui restent. Voilà. Mais c'est vrai qu'après les poules, il y en a pas, je crois. On verra, ça on va voir ça les gars, on va voir ça. Du coup les gars voilà ce que ça peut donner. Donc on va, aller, on va commencer à tirer par là. Cette machine là, ça me fait un peu bizarre parce qu'on l'a eu, vous savez, dans le trailer du premier de, bah, du premier trailer de fs 19. Et c'est vrai qu'on c'est la première fois que je la vois sur une map, euh, bah, sur une map euh, des 19 à part bien sûr Felsbrune et Ravenport. Sinon je l'avais pas vu Voilà. Du coup les gars ici petit petit bâtiment assez campagnard et assez ancien donc assez rouillé où vous pouvez stocker quand même euh, du petit matériel. Ce sera vraiment pas pour du gros matériel et pourquoi ça passe pas ça, Attendez. Hum, what Attendez les gars. Ok. Voilà. Voilà, ok. Donc là en fait vous pouvez venir pour stocker du petit matériel, donc tout ce qui est charrue, tout ça. Euh, ensuite ici on a aussi... En fait c'est le même côté bâtiment. Euh, ici on a un, un autre petit hangar pour stocker aussi du matériel. C'est vrai que les hangars pour le moment sont assez compliqués et assez petits. Mais après voilà il y a quand même de, je pense de la place sur un champ ou autre pour euh, ramener tout simplement euh, des... Euh, pour amener tout simplement d'autres bâtiments. Voilà. Du coup, ensuite, ici les gars, c'est les cochons. Donc vous avez le trigger pour euh, les cochons. Là, vous pouvez donner euh, à boire ou à manger ici. Et ici les gars, c'est l'eau. Donc ici c'est l'eau. Et ici c'est pour donner à manger. Ok. Nice. Euh, du coup, les cochons. Voilà. On, en fait, ce bâtiment il est assez sympa. Euh, c'est pas le bâtiment de base. Du coup, ça donne encore un aspect encore plus complet à la map. Je trouve parce que c'est vrai que les bâtiments de base, on en a assez eu. Et puis les bâtiments de base, ça dure pas forcément. Euh longtemps donc voilà ici les gars on a un petit bâtiment cochon que ce soit intérieur et extérieur donc l'intérieur bien sûr on ne peut pas rentrer dedans mais l'extérieur bien sûr et ben, bien sûr qu'on peut ici les gars on a quand même deux bâtiments assez énormes euh, ici donc il y a le, vraiment le plus petit juste là et il y a le plus gros juste ici donc franchement il y a un moyen de faire quelque chose sur cette map les amis euh, que ce soit en termes de stockage ou en termes euh, de rangement de moissonneux de matériel tout ce que vous voulez voilà Ensuite, ici les gars, on a le fumier. Donc, le fumier euh, pour les cochons. Donc, ça, c'est le fumier, les gars, pour les cochons qui est juste là. Donc, ce qui est logique. Euh, ici, ah ouais, ça j'aime bien, par contre, les gars. Les, petites, les petits silos comme ça qui sont directement intégrés à la ferme. On dirait qu'on se croirait dans une coopérative en fait. Mais non, en fait, c'est. Oula, ok. En fait, c'est directement. On est euh, tout simplement dans la ferme. On, on, c'est vraiment le truc. Quoi. On a vraiment le truc dans la ferme. Et ça, c'est franchement sympa. Donc, ici, vous pouvez venir vider vos graines. Et bien sûr, euh, c'est ici, je crois. Ici ou ici, vous pouvez ramasser vos graines qui sont dans les cellules de la graine pour euh, soit les vendre ou soit les... les stocker ou je trouve vous voulez soit les vendre, de nos animaux. Voilà. Ici, les gars, on a encore un petit bâtiment. Euh, du coup, on a un petit bâtiment euh, à, euh, en bois. Du coup, je crois qu'il est plaçable celui-là. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il a... c'est un peu une mini entrée en fait. Vous pouvez passer directement dans le bâtiment. C'est vrai que c'est assez dommage. Moi, je pense que j'aurais mis une porte coulissante. J'aurais mis une porte coulissante. On arrive ici si on veut. Rentrer par là on descend le tracteur et on ouvre la porte Ou alors on passe par une autre entrée C'est assez dommage mais c'est pas très grave hein, Ça fait une entrée en plus Donc bien sûr bâtiment de stockage juste ici Ici on a le fumier donc c'est pour les vaches On va rentrer dedans donc, Ici voilà une stabulation pour les vaches Bon c'est une stabulation un peu... assez complète Et c'est vrai qu'elle change vraiment euh, des autres Simplement elle change des autres Et ça franchement c'est sympa Donc voilà ça change Ici il y a le lisier Et le lisier est-ce qu'on l'a vu pour là-bas Il n'y euh, a pas de pour les cochons les gars euh, Peut-être que je dis une connerie. Il n'y a pas le lisé, je crois, les gars, pour les cochons. Euh... S'il est là, là. d'accord. Il y a le lisier pour les cochons qui est là, juste dans le bâtiment. Donc, c'est qu'il n'est pas collé. Donc, que ça change un peu des vaches. Donc, ici, voilà le lisier, le fumier. On a quand même une prairie assez bien complète. Hein. Euh, on va pas se mentir, elle est quand même cool. Il faut mieux prendre une stabulation euh, comme ça qui change de mode, etc. Que prendre toujours les stabulations de base qui sont quand même ici, hyper bien et complètes. Hein. Mais c'est vrai que ça change euh, quand même un peu. Voilà. Ici, les gars, on a une faneuse, euh, une faucheuse, une presse du coup et un dernière, Donc, là, les gars, on a les quatre outils. Pour faire la fauche, donc on a la faucheuse, euh, la faneuse, l'endéneur et la presse. Donc là, franchement, on a tout pour faire une saison de, de, de fauche, de tout ce qui est foin. Donc voilà, pour les gens qui euh, seraient, il y a ça déjà de base. Mais pour le moment, on n'a vu aucun tracteur, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Ah si, on a un JCB, on a un JCB juste là, on a un fast track avec son, sa petite fourche à un godet. Ok, donc les gars ici il y a la maison, donc la maison de base de Ravenport. De Ravenport on a la maison de base donc voilà. Euh, rien n'a été changé hein, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu rajouter quelques détails, après je sais pas si c'est possible, je pense que oui. Euh attends. Voilà. Euh, voilà. Ici on a ça du coup, la petite maison familiale qui, qui prend pas forcément trop de place. Et ça c'est sympa. Là, on a le truc, déjà Ça c'est bien. Je vois sur beaucoup de maps actuellement, c'est que on a le mal, le truc en fait pour stocker. Donc, pour, par exemple, vous ici, vous avez euh, le godet qui est là, et bah vous pouvez. En fait, c'est un truc exprès pour ranger vos godets, vos fourches, vos pics, vos trucs de transpalette, tout ce que vous voulez. Ça, franchement, c'est sympa du coup. Les gars, on sort de la map du coup. Euh, on va passer par à gauche. Il y a même un restaurant, tout ça. D on va aller voir ce que ça peut donner. Donc, les gars, on est vraiment aussi sur une map anglaise, je crois. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur une map française. Donc, voilà, on peut l'apercevoir directement au rouge. Donc, les gars, ici on a un petit rond-point. Donc, le train est fonctionnel, il passe par ici. Et on a aussi le petit trafic routier. Voilà, on a le trafic routier. Donc, le petit rond-point qui vient là, qui mène directement au restaurant. Donc, ici, il y a le petit restaurant, les gars. Oh, nice! Bien! Ah, ouais, il y a même les piétons qui passent et tout! Oh, nice, les gars, ça c'est bien fait! Je trouve ça bien fait, les gars! Donc, en fait, le petit restaurant avec les piétons qui passent entre les tables, les parasols, etc., je trouve ça bien fait! Et c'est à dire que le mec il a vraiment pris le temps de faire la map! Parce que, quand même, euh, mettre tout ça c'est franchement assez sympathique! Et je trouve ça vraiment, ça complète la map! Et ici, les gars, on a un silo! Donc, je m'en doutais! Hein. On a un restaurant, mais il y a aussi un silo de base! Donc, en fait, je pense c'est un silo. Euh, bah, alors, euh, on peut regarder les graines là, voilà, c'est un silo simplement pour les graines aussi, je pense, en fait, peut-être pour livrer le restaurant, on pourrait peut-être dire ça, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais voilà, on a un restaurant juste là, avec simplement une coopérative derrière, donc là, au fond, la la fond de la map, les gars, on peut percevoir qu'il y a euh, un port, bah, un port de l'eau, simplement, d'un port avec une péniche au fond, qui est en train de ramener les cargos de bouffe, de tout ce que vous voulez... Ensuite du coup on arrive les gars dans la première euh, dans la première forêt qui est vraiment minime ici Elle est vraiment minime de ouf les gars il y a, Voilà c'est juste un chemin Mais après vous allez voir les gars toutes les zones vertes c'est vraiment des forêts Donc franchement il y a vraiment une, une énorme forêt euh, Ici les gars on a le, euh, le bétail simplement Le négrosome bétail qui est juste là Donc cette vache c'est vrai qu'on l'a pas mal cette vache on l'a eu beaucoup euh, Je la vois beaucoup sur les maps actuellement Toutes les maps que je peux en tailler Donc ici les gars on a le petit parc pour les vaches en fait Elle rentre là Et puis bien sûr c'est pas fonctionnel hein mais voilà, on m'a compris. Euh, ok. D'accord, ok. Donc, ici, des gosses en bétail, les gars, vous pouvez venir ici pour acheter euh, hop, vos animaux. On va regarder ça. Donc, là, euh, on a. Vous pouvez voir le menu des animaux. Donc, les enclos pour les animaux. On a de tout. On a les enclos pour les moutons. Cuxtail, c'est quoi euh, Je sais pas. Que ça, je sais pas. Donc, on a les moutons. On a bien sûr tous les types d'animaux. Euh, et puis, euh, voilà. voilà, C'est vraiment le bâtiment principal, juste là. Hein. Et du coup, ensuite les gars, on va remonter, on va remonter. Donc là, euh, simplement, euh, c'est un ancien silo qui est pas fonctionnel. Non, parce rien, il y a le train qui passe en dessous les gars. On va regarder ça. Bah je pense pas que c'est ça touche... C'est pas possible que ça touche par contre. Ah d'accord, ok. D'accord, le train passe en dessous, le, un ancien silo simplement avec des, des, des anciennes cellules à grains. Hein. Je trouve ça hyper bien fait. D'accord, ok. Euh, ok, d'accord. Donc là les gars, on arrive simplement à... Euh, c'est une série en fait là. Euh, c'est là la... ah non c'est la grange ici les gars il y a une petite grange où où qu'on peut stocker même du matériel on peut vraiment stocker pas mal de petites choses mais on a aussi un trigger donc ça mène à quoi Moi je dirais ici c'est une grange mais c'est en fait on a une grange sous... D'accord, mais ils disent même pas ça sert à quoi la grange c'est que la grange ça peut servir à beaucoup de choses en fait Donc soit c'est pour stocker du bois Ce qui est, ce qui est même sûr parce y a, Du coup il y a une forêt qui est par là-bas Et une forêt qui est par là-bas Donc je pense qu'ici c'est vraiment pour le bois Parce qu'on peut, on peut l'apercevoir ici qu'il y a vraiment des détails etc Pour qu'on comprenne des palettes cassées, usées Des rondins de bois qui sont en train d'être faits etc Donc je pense que c'est ça Je vais pas dire de, de fausses conneries Mais je pense que c'est ça euh, Ici du coup les gars on arrive dans la forêt, donc la plus grosse forêt euh, c'est ça. Donc, on a même le petit pont et le train qui passe en dessous. Ok d'accord. On a le petit pont et le train qui passe en dessous. Donc là franchement le pont qui est assez usé, qui a été rajouté avec des matériaux pour pas qu'il pète, pas qu'il tombe. Je trouve ça assez ancien et je trouve ça aussi bien fait. Bon après voilà c'est la petite forêt. Après une forêt c'est sûr qu'on connaît tous. Hein. Du coup on va vraiment décaler euh, sur une autre chose. Euh, donc là en fait les gars comme champ on a que un champ de base. On a que le champ 6. Après c'est à nous d'acheter en fait d'accord ok donc là les gars on a un petit pont mais on, on passe pas en tracteur on peut passer en moto mais pas en tracteur euh, là du coup une petite maison euh, décorative le petit champ de coton ce qui est logique parce que du coup c'était rajouté à la map euh, vu que c'est FS19 hein, comme je le dis toujours euh, ici les gars c'est le magasin donc c'est le shop ici les gars vous pouvez acheter euh, ou vendre ou réparer vos véhicules je suis voilà vous arrivez vous pouvez acheter simplement vos petits véhicules etc donc il y a toutes les catégories euh, voilà on a tout, donc ici vous pouvez et là franchement il y a des petites déco. Franchement, euh, si vous voulez vraiment faire du roleplay sur cette map, il y aurait moyen, il euh, y aurait moyen franchement de de, de, faire un petit, un petit concessionnaire à sympa. Donc, par exemple, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes, euh, je des vidéos sur internet qui font des concessionnaires John Deere, etc. de ouf. Mais je vous le dis, les gars, quand la concessionnaire, quand la map Black Sheep, de Black Sheep va sortir là au stream, le concessionnaire, les gars, c'est full euh, John Deere, du coup, c'est full John Deere, vu que farming c'est euh, John Deere actuellement. C'est vrai que ça va être full John Deere. Voilà. Euh, ici, du coup, il a de la petite décoration. Euh, là, du coup, c'est quoi Vas-y. Euh, donc ici les gars on arrive je sais pas trop c'était c'est une ancienne ville on putain ça comme c'est une ancienne ville euh, pas en ruine mais voilà il y a même un marché euh, un marché non pas forcément un magasin du coup juste là euh, qui vendent du coup des, des planches de surf, de perfect wave surfen donc euh, voilà là ok d'accord ok d'accord mais on peut pas c'est que la décoration en fait d'accord okay. ici les gars petit terrain de basse quête quand on veut jouer, par contre je crois que sur ce jeu là, on ne peut pas prendre les ballons de basket je crois. On peut pas prendre les ballons de basket avant sur FSZ on pouvait. Donc je sais pas du tout je pense qu'il y a un mode, le mode bien sûr pour prendre les objets lourds. Ouais, c'est pas forcément un objet lourd. Je pense que ça... ça le prend quand même. Voilà. Ensuite les gars ce qu'on va faire. On va juste aller voir tout en haut. Euh, parce que il y a euh, pas mal de petites choses juste ici, voilà. Donc voilà, ici les gars, il y a des petites choses assez sympathiques. Euh, on arrive ici, donc voilà. Euh, alors c'est quoi là euh... On a des sacs. C'est pas des... Euh, je sais pas. C'est quoi Peut-être qu'ici, c'est pas fonctionnel en fait. Non, c'est pas fonctionnel ici, je crois. Donc, euh, c'est par là. Ici, les gars. Ok. Ici, les gars, on a aussi... Simplement, vous pouvez aussi éviter euh, vos graines ici. Donc, soit vous pouvez réceptionner euh, vos graines ici. Donc, en fait, je pense... Euh, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous, ici, vous pouvez vendre vos graines, les gars. Voilà. Vous pouvez vendre vos graines. Donc, en fait, il y a plusieurs coopératives comme ça. Beaucoup de maps. On en fait beaucoup de maps. Il y a aussi euh, beaucoup de coopératives. À chaque extrémité des maps, il y en a une en haut, une au milieu, une à droite, une en haut à gauche, tout ce que vous voulez. Et ça, pour moi, c'est sympa. Vraiment, il n'y a pas forcément à faire beaucoup de trajets. Voilà. Euh, ensuite, du coup, on a euh, là-bas. Alors, c'est quoi Ça, on était le voir. On était le voir aussi. D'accord. Et les gars, on veut juste aller voir la Syrie. Et puis après, je pense que la vidéo sera finie. Ah non, je voudrais bien aller voir le ranch aussi. C'est vrai que le ranch est assez intéressant. Donc je voudrais aller le voir, franchement ça peut donner quoi. Donc les gars la syrie est vraiment incluse dans la forêt, dans ce qui est logique, hein, ce qui est logique hein. Donc voilà les gars, petite syrie Donc là on peut pas se tromper, les gars c'est marqué. Et puis vu tous le, les techs, les petites palettes euh, faites etc. Les petits rondins de bois, les petites bûches de bois. D'accord, ok. Les petites palettes, ok d'accord. Et c'est toujours ça, euh, cette machine-là, qui sert simplement pour le copeau de bois, ok. Et ici les gars des palettes de bois. Ok, franchement j'aime bien. J'aime bien les gars une série franchement assez complète. Donc euh, c'est vraiment une série complète de ouf. Ok. Euh, du coup les gars maintenant, ce qu'on va faire, on va partir juste au ranch. Et ah si, il y a un truc là. Là, voilà, là ce qui m'intéressait. Ça c'est quoi Un terrain de motocross peut-être Non, je sais pas du tout c'est quoi les gars. On peut passer par là. Alors... Là, maintenant bah je, je m'aurais dit c'est un truc de un peu passé avec le tracteur pour ensuite simplement euh, bah, revenir en haut sans euh, prendre la route, donc prendre que des raccourcis, mais non, c'est bloqué donc je sais pas c'est quoi. Voilà, euh, ici les gars, on a l'eau, alors le ranch il est là-bas, on va aller voir le ranch les gars, et après on s'arrêtera là. On est déjà à 15 minutes de vidéo, donc ce qui est assez hein, quand même. Donc là les gars, on voit... là, je pense qu'il aurait pu mettre des arbres ou autre là, je trouve ça trop vite là par contre, trop vite de ouf, et puis quand on arrive là, tu vois la fin de la map, franchement tu te dis ouais, c'est bizarre quoi, moi je sais pas. Wow, stylé! Donc là, ce ranch là, si je me trompe pas, il est disponible. Euh, on l'avait fait avec Starview l'autre fois. Simplement qu'on avait fait une vidéo. On avait fait le live de 12h, du coup, pour ses 100 000 abonnés, je crois. Et euh, et on avait pris ce ranch là, placé. Donc là, les gars, c'est un ranch de base juste là. Et là, voilà, on a vraiment toutes les écuries pour les chevaux. Donc c'est vrai que par contre, les chevaux sont vraiment euh, loin de ouf. Donc attendez. Euh... Ah non, attendez. C'est bizarre. Ici, c'est le ranch, mais il n'y a pas les chevaux en fait là. Et là c'est un silo. D'accord, ok. Donc il y a maintenant. Ah, d'accord, on n'a pas regardé là par contre. Ça je me disais, d'accord, ok. Donc en fait le matériel est là. Donc ici, on a un petit case. On a les machines pour les bois, les bennes, les pulvérisateurs, les petites masses. Les déchaumeurs, les charrues, les semoirs. D'accord, ok, et là, il y a même, du coup, ça, c'est pour, euh, pour les chevaux, je crois, ok, donc là, les gars, c'est le chevaux, c'est les ranches, du coup, sont pas dues avec les chevaux, donc est-ce que les ranchs seraient plutôt de la décoration, euh, après, pas forcément, ce que vous pouvez faire, simplement, c'est acheter vos chevaux ici, prendre la remorque, euh, du coup, des chevaux qui sont disponibles dans, dans, depuis euh, FS19, et après, aller, par exemple, faire des activités avec les chevaux euh, orange, ok, situés en bas de la map, après, ça vous faire un peu de route, et ça, franchement, c'est sympa Ensuite du coup on a un petit chemin juste là et on a euh, les moutons qui sont... Euh... Alors attendez. Les moutons qui sont juste... Euh... Non c'est les chevaux les moutons là, hein ok Et là c'est les moutons, d'accord, ok, ça j'ai perdu. Donc les gars les moutons juste là, donc c'est vrai que l'enclos est vraiment euh, petit par rapport aux chevaux, je crois qu'il fait, il fait la moitié. Donc après c'est vrai que les moutons on n'a pas forcément eu beaucoup d'enclos plaçables. c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup, je sais pas pourquoi. Et puis euh, du coup voilà ok d'accord ok euh, après on a les petits bâtiments de base et puis euh, voilà ok d'accord bon c'est stylé de ouf ça ah ouais j'aime bien les petits trucs comme ça ah là là de nice ok D'accord, ok les amis, bon j'espère que cette, vous, cette vidéo vous aura fait plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour les retours qu'on a eu sur la dernière vidéo euh, découverte de map les amis. Franchement on est bientôt à 6000 vues je crois en, en deux jours. Vous savez que ça, franchement c'est cool, ça vous plaise comme ça. Donc les amis n'hésitez pas à aller voir dans mon, mon roleplay, mon épisode qui est sorti avec la ropa, euh, du coup là voilà, en test, euh, du coup sur le roleplay. N'hésitez pas à aller voir cet épisode là. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à marquer un petit message en commentaire, marquer on marque, les gars, basket, les gars on marque basket simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais un maximum de bisous, les gars. C'était 0 Bon week-end à tout le monde. Euh, je serai peut-être en live demain soir à la place de Starview parce que Starview ne pourra pas pour des raisons personnelles. Du coup, voilà, je vous reçois en courant. Je vais rester avec lui simplement. Et puis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. C'était 0 les amis. Je vous fais un maximum de bisous. Allez, ciao tout le monde. Bisous, les gars. <music>